Salut les filles, bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, c'est une vidéo encore sur le Maroc. Mais ça y est, c'est la dernière vidéo. Les vacances sont finies. En fait, en vous publiant cette vidéo, je me raccrochais encore à cette période de vacances. Mais non, ça y est, c'est fini. Reprise du boulot, ça fait une semaine et demie que j'ai repris le travail. D'ailleurs, là, je vous filme la vidéo en sortant du travail. Ça doit faire une petite heure que je suis sortie du boulot. Donc, j'ai rangé un petit peu la maison, j'ai fait à manger. Et je me suis dit, allez, va filmer la vidéo avant de ne pas avoir le temps de la filmer. Donc là, dans cette vidéo, qu'est-ce que je vais vous partager? Je vais vous partager la boutique où j'achète tous mes tissus de salon marocain. Vous voyez ce salon que je vous cache à chaque fois que je ne vous montre pas? Là, on ne le voit pas très bien, mon tissu. Donc c'est là-bas où j'achète mes tissus. Et franchement, c'est une boutique, mais magnifique, vraiment la caverne d'Ali Baba. Donc pour celles qui ne connaissent pas, c'est Maison Ben Chérif. Donc il y en a une boutique à Oujda, à Casa, à Marrakech, à Rabat, il me semble, et à Nador. Nador, je crois, ouais. Nador, ça fait un an, je crois, qu'il doit y avoir la boutique. Et vraiment, leurs tissus sont juste magnifiques. Ils font tissu. Je vous laisse regarder. Je vous laisse regarder. Vous allez kiffer. Et juste après ça, ce que je fais, je vais vous reprendre et je vais vous montrer tout ce que j'ai acheté au Maroc. Donc, malheureusement, j'avais pas énormément de place. J'avais juste 23 kilos plus 10 kilos de bagages à main. J'ai galéré à tout ramener. Donc, je vous laisse visionner tout ça. Je ne parle pas plus. Je vous laisse regarder le salon marocain et je vous reprends pour mes achats. Within, here we go, but somehow I'm caught in the middle. Is this the end before we've even begun? Should I work against the flow, a drop in the ocean so endless, reaching for our moments miles above? I just need one. Deep.
patient. Think that it's progress you're making. Copy and paste pretty faces all the time. Pictures so perfect we play through, only cause you set up the angle. Web that you weave got us tangled, caught in what's before our eyes. Show off your fantasy reality, whoa. That's yours, but I'll keep doing mine. You'll be living your good life. Catch a glimpse from the outside, then you see me now, see me now, see now. Don't need any timeline to prove that this is my life. I can see it now, see it now, see now. You'll be living your good life. Catch a glimpse of the outside, then you see me now, see me now, see me now. Don't need any timeline to prove that this is my life. I can see it now, see it now, see now. Beautiful people still make mistakes. It isn't perfection, what is it we chase? Bow for your 15 seconds of fame. It's your time. Give me the messy, give me the pain. A rose will not grow without the rain. I wanna be someone who says there's more than meets the eye. Show off your fantasy reality, whoa. That's yours, but I'll keep doing mine. You'll be living your good life. Catch a glimpse of the outside, then Alors, vous validez ou vous validez pas? J'ai du goût, hein, franchement. Je sens que toutes les filles, là, quand elles vont aller à Oujda ou Casa ou Marrakech, elles vont aller directement dans cette boutique-là. D'ailleurs, sachez que je suis déjà partie dans cette boutique-là, Maison Ben Chérif, à Marrakech. Et personnellement, j'ai préféré la boutique d'Oujda. Non pas parce que je suis Oujdia, mais comment vous dire que j'ai préféré la boutique d'Oujda. Casa, j'ai voulu y aller. Mon mari m'a ramené, j'ai voulu y aller. Mais comment vous dire que la circulation à Casa, c'est juste une catastrophe. Alors, pour arriver à la boutique, on a tellement galéré que j'ai regardé mon mari, j'ai dit, tu sais quoi, fais demi-tour, j'irai à Oujda. Donc là, maintenant, je vous ai montré les salons modernes marocains. Je vais vous montrer mes achats et je vais vous montrer la pièce. Ibadallah, qui m'a fait galérer. Je n'arrivais pas à la rentrer dans la valise. Je me suis acheté un lustre. Donc là, le lustre, bien sûr, il est démonté. Donc pour celles qui ont vu ma vidéo, une de mes vidéos, je vais essayer de vous remettre ici la photo du lustre, si j'y pense. Donc celles qui ont vu ma vidéo, en fait, je l'ai pris là au Maroc et elle est comme ça. Donc elle est or. Il y a trois lumières. Non, maintenant trois. Qu'est-ce que je raconte? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc ici, on peut mettre 6 ampoules. Et je vais vous montrer. Regardez. Je vais faire attention de ne pas le casser. C'est du verre. Donc là, ça a pesé super lourd. Donc chaque pièce, ceux-là, ils étaient emballés comme ça dans le carton. Donc elles sont toutes là. Donc là, j'en ai deux comme ça. Et en fait, ça, j'ai pu le mettre dans ma valise que j'ai emballé aussi dans des vêtements pour pas que ça se casse. Et ça, bah, ça rentrait ni dans la petite valise, ni dans la grande valise. Donc, comment vous dire, j'ai pris un sac plastique, je l'ai mis devant. Je me suis dit, ça passe, ça passe, ça passe pas, ça passe pas. Et finalement, c'est passé, donc j'ai pu le ramener. Donc là, je vous le montrerai quand je le montrerai. Mais je crois qu'il me semble, c'était comme ça. Mais là, tout ça, c'est en verre. Et c'est juste magnifique, dorure. Donc, pour les personnes qui se posaient la question, donc ce ne sera pas à ce niveau-là que je le mettrai parce que j'ai déjà des lustres, non pas à l'étage, mais dans une des pièces que je vous ai jamais montrées. C'est le salon qui est en bas qui est pour l'instant juste catastrophique. C'est la pièce fourre-tout, vu que je n'ai pas de garage, il y a tout le bordel qui est mis dedans. Mais je sais ce que je vais y faire. Donc, ça, c'est pour cette pièce-là. On va reposer ça là. Qu'est-ce que j'ai pris ?
J'ai acheté, donc ça, je vous l'avais montré dans ma vidéo, donc la levure déshydratée, donc la levure boulangère déshydratée que j'ai pris chez Marjane. Donc je vous avais dit que c'était, donc ça faisait, bref, je sais plus parce qu'en fait ça faisait 0,06 centimes d'euros. Donc en gros, j'ai payé les 30 pour 18 dirhams, soit 1,80 €. Donc ça, c'est de la levure boulangère déshydratée de 10 grammes. Donc c'est ce que j'utilise pour faire tous mes pains, brioches et tout. J'utilise que celle-là. Donc ça, j'ai pris le stock. J'ai pris aussi du cacao en poudre. Donc en fait, ce que j'ai fait, c'est que la boîte en carton, je l'ai retirée. J'ai vraiment gardé que les sachets pour gagner de la place. Donc là, je crois que j'avais pris 5-6 boîtes. Et ça, j'ai pris, je crois, la boîte 40 centimes. Ça, on en parle. De le sucre. Attends, ouais, c'est bon. Sucre, arôme, fleur d'oranger. Ça, pareil. Tu vas au Maroc, tu l'achètes, t'aimes la fleur d'oranger, achète ça et tu m'en rediras des nouvelles. Franchement, et ça, je n'ai jamais vu, il me semble, en France et c'est super bon. Donc j'utilise quand je fais mes brioches, quand je fais mes crêpes. De toute façon, quand j'ai envie de mettre de la fleur d'oranger, je mets ça et ça sent super bon. Là, qu'est-ce que j'ai pris d'autre? Ça, je vous l'avais montré. Bon, ça, j'en ai pris deux. C'est juste pour mon fils pour qu'il puisse goûter. Je ne lui ai pas donné d'ailleurs. C'est les pépites au ketchup. Donc moi, j'aime pas. Je pense pas aimer, mais vu que mon fils aime beaucoup le ketchup, j'ai dit pourquoi pas essayer. Donc là, j'en ai pris que deux. Puis, avant de passer aux épices, j'ai pris ça, bubblegum. Obligé, vous connaissez ça, les enfants, ils kiffent quand ils partent au Maroc. À chaque fois, à Moulhanout, ils vont acheter les bubblegum et c'est super bon en fait. C'est des petits chewing-gums comme ça. Et quand tu croques, en fait, il y a un coulant, on le voit ici. Et c'est super bon. Donc je leur ai pris une boîte. Ça, je ne me souviens plus combien j'ai payé la boîte. Il me semble peut-être 25 dirhams, je crois. Ouais, 25 dirhams. Donc ça fait à peu près 2,40 €. Flash. Qui est-ce qui connaît les chewing-gums Flash? T'es marocaine, tu connais, c'est obligé. C'est obligé. Il porte bien son nom. En fait, le goût part aussi vite que tu l'as mis dans la bouche. Lors que tu l'as mis dans la bouche, tu le mâches 5 à 10 secondes et le goût est parti. Donc c'est pour ça que ça s'appelle Flash. Je pense pas qu'ils ont donné ce nom-là pour ça, mais c'est vrai que c'est super bon, mais ça part trop vite. Donc tu mets un chewing-gum, 10 secondes après, il n'y a plus de goût. Donc voilà ce que j'ai pris au niveau des chewing-gums, les épices. Voilà ce qui m'a fallu, qui m'a pris énormément de poids, ce qui m'a fallu. Qui m'a pris énormément de poids, les épices. Et j'ai pris tellement d'épices qu'en fait, il me l'a mis dans un grand paquet de café. Donc ça, c'est pas du café. Et je l'ai pris, comme j'ai dit, chez l'Attar, le numéro 8 à Oujda. Donc si, pour les Oujdiyet, allez au numéro 8. Ça fait des années que je prends chez lui. Donc qu'est-ce que j'ai pris? Kebaba. Donc, kebaba, je ne sais pas comment ça s'appelle en français, mais je l'utilise pour la harira, donc pour la soupe marocaine. Donc je l'utilise avec karouya, mais je ne sais pas, il est où? Ça c'est quoi? Et ce qui est bien, c'est qu'il m'a tout noté. Donc le karouya, c'est du karvi. Donc ça, je sais comment on dit en français. Donc moi, c'est ce que je mets dans la harira. Donc pendant le ramadan, je mets les deux. C'est vraiment les deux épices que je mets obligatoirement dans la harira. Donc kababa ou karouya. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Mais les épices, dès que je sors les épices, comment ça sent les épices? De la cannelle. Du poivre. Je vous montre vite hein, parce que ça c'est ouais le piment fort. Piment fort. J'allais dire paprika doux, mais non, c'est pas le paprika doux. Piment fort. Et j'ai pris là. Non, ça c'est du curry. Donc il m'a vraiment tout noté. Donc Mskin, il m'a vraiment mis une étiquette sur chaque épice. Donc là, j'aurais plus qu'à les mettre dans des récipients. Ce que je consomme le plus, c'est le gingembre. J'ai pris 1 kg. Mais, ah, c'est ça n'a rien à voir, ça n'a rien à voir, les épices du blé. Oh, rien à voir avec ce qu'on a ici en France. Ça, du curcumin. En fait, de toute façon, le gingembre, j'ai pris 1 kilo, le curcumin. Après, j'ai pris entre 500 grammes et 250 grammes. De toute façon, le tout, j'en ai eu à peu près, je crois, pour 5-6 kilos. Je crois à peu près 5 kilos, on va dire, d'épices et j'ai payé 390 dirhams, il me semble. Donc, ce qui fait à peu près 36-37 euros pour 5-6 kilos. Le piment. Alors, l'autre, ah non, peut-être que l'autre, c'était le paprika doux et ça, c'est le piment fort, celui-là. De la coriandre en poudre, ça, pareil, obligatoire, j'en prends tout le temps.
D'ailleurs, j'ai pris que 500 grammes. J'aurais dû prendre en fait 1 kilo. Je pense qu'un kilo, ça aurait été mieux. Qu'est-ce que ça? Et le cumin, le cumin. Ça. C'est, ça sent le Maroc, ça sent le Maroc, ça sent le Maroc. Donc voilà toutes les épices que j'ai pris. J'ai pas encore fini. J'ai pris ce pyjama pour ma fille, donc Snoopy. Donc j'aime bien les pyjamas du Maroc, ils sont tout doux. Donc il y a le bas avec le haut qui va avec. Donc là par contre, hein, il y a marqué 16 ans. C'est pas 16 ans, hein, faut regarder. Hein. Là, ça fait plus un 10 ans. 10, ouais, 10 ans. 10 ans, ma fille, de toute façon, elle met du 10 ans à peu près. Et ça, c'est pas plus grand qu'un 10 ans. Donc, quand vous achetez, regardez bien. Ne vous fiez pas, en fait, à la taille qui est écrite. Regardez à l'œil. Et ça, je l'ai payé 40 dirhams. Et je lui ai pris celui-là aussi. Le mini. Toujours à 40 dirhams. Ah oui, 40 dirhams, les filles, ça fait 4 euros. Divisez par 10. Vous embêtez pas quand je vous donne les prix en dirhams. Vous divisez par 10. Et il y a le haut qui va avec. Franchement, il est juste trop mignon. Donc, qu'est-ce que j'ai pris? Si t'es pas une vraie Marocaine, si tu prends pas ça quand tu vas au Maroc, t'es pas une vraie Marocaine. Je rigole, hein, je préfère le dire, j'ai énormément d'humour et souvent qu'en fait, on prend les choses au premier degré quand je dis les choses. Mais normalement, pour moi, ça, c'est la base. Quand tu pars au Maroc, t'es obligé d'acheter ça. Fais quoi? Le basla, le hamra, les oignons rouges. Je suis dégoûtée, j'avais plus de place. J'avais acheté, je crois que j'avais pris 3 ou 4 kilos arrivé à la fin. En fait, j'avais dépassé, je crois, ma valise de 6 ou 7 kilos. Et j'étais dégoûtée, j'ai pas pu tout prendre. Donc en fait, les oignons rouges, j'ai pas pu tout prendre. Donc je crois que j'ai dû ramener à peu près avec moi 1,5 kg. Et vous allez me dire, oui, mais il y en a en France, ou non, tu vas dans les marchés, ou tu prends un truc bio. Non, non, non. Les oignons rouges du Maroc, c'est les oignons rouges du Maroc. Ça n'a rien à voir avec les oignons rouges qu'on trouve ici en France. Niveau goût, il n'y a pas de mots. Il n'y a pas de mots tellement c'est bon. Donc, j'ai pris les oignons rouges. Et attends, il y a un autre truc. Et l'ail. Oui, il y en a aussi en France. Il y en a aussi en France. Mais je préfère l'ail du bled. Je sais pas, c'est même pas psychologique, c'est vraiment que le goût est meilleur. Donc là, je sais plus, j'avais pris, je crois, 500 grammes d'ail. Et qu'est-ce que j'ai acheté aussi? Et j'ai déjà mis dans le congélateur, parce que vu que ça fait déjà une semaine et demie que je suis rentrée, j'ai acheté des petits pois frais, pareil. Oh, tellement sucré, tellement bon, et ils sont gros, comment vous dire? Oh, quand je vais faire un tagine petit pois cœur d'artichaut, ouais, ça va être comme ça. Qu'est-ce que j'ai pris? Ça, je sais pas comment on appelle ça en France. Fatigué. Je sais pas comment on appelle ça en français. Le blot. Donc les filles, je pense que quand je vais finir le montage de la vidéo, je vais vous la publier, ça va me revenir. Mais le blot, vous savez, dans l'âge de glace, ce qui prend la isbat pour ça, bah c'est ça. Le blot. Et ça, j'ai pris combien? 500 grammes. Et c'était, par contre, c'était un petit peu cher. 110 dirhams le kilo, je crois. 110 dirhams, donc 11 euros le kilo. Qu'est-ce que j'ai pris d'autre? Ah, on va passer tout ce qui est soins pour le visage, les huiles. Donc ça, pareil, je prends tout ça. Pas toujours tout au Maroc, mais c'est vrai que quand je pars au Maroc, je fais mon petit stock. Donc moi, l'huile que je prends, c'est la marque Vatica. C'est vraiment celle que j'aime beaucoup et qui sent super bon. Donc là, j'ai pris de l'huile de cactus. Elle sent super bon, franchement super bon. J'aime beaucoup, j'en avais déjà à la maison et j'en ai rajouté de l'huile d'ail. Une tuerie, franchement une tuerie. J'ai pris 2 bouteilles et je suis dégoûtée en fait. J'ai la bouteille en fait qui s'est renversée dans la valise. Donc l'autre bouteille, j'ai récupéré que la moitié. Et pareil, ça sent pas du tout l'ail en fait. C'est pas une mauvaise odeur, ça sent, mais juste super bon. Franchement, mais au top. Donc l'huile d'ail et l'huile d'amande. Donc la marque Vatica. Et ça, il me semble, je sais plus, c'est une bouteille de 200 ml. Je pense que j'ai payé ça 18 dirhams ou 20 dirhams. Ce qui équivaut à peu près à 1,80€, on va dire. 1,80€, 2€ grand max. Là, les 200 ml. Attendez, il y a un truc que j'ai oublié au niveau de la déco depuis tout à l'heure que je ne vous ai pas montré. Attendez. En fait, c'est pour le rideau. Regardez-moi cette beauté. Normalement, il y a le support qui est là. Donc en fait, ça, je l'ai pris pour ma chambre. Je vais essayer de ne pas le casser parce que c'est en verre. Donc,
Ça, c'est pour accrocher les rideaux. Donc ça, je vais le mettre dans ma chambre. J'en ai pris deux. Alors ça, par contre, je ne me souviens plus du prix. Il me semble peut-être que c'est... Je sais plus si c'est 50 dirhams. 50 dirhams ou 70 dirhams. Je sais plus. 50 dirhams. Et ça, c'est sur... Donc c'est où qu'il y a tous les lustres. Donc c'est là-bas que j'ai acheté en fait mon lustre. Donc j'ai pris un gommage à l'aloe vera. Là, c'est un gommage à la bave d'escargot. Donc ça, c'est top. Non, même pas. Le gommage à l'escargot, à la bave d'escargot, c'est celui-là. Et ça, c'est le masque à la bave d'escargot. Donc après, pour les prix, il me semble que les gommages étaient à 15 dirhams. Je ne sais plus si c'est 13 dirhams, 15 dirhams ou 15 dirhams, 20 dirhams. De toute façon, grand maximum, c'est 2 euros. Mais je ne me souviens plus, mais il me semble que j'ai peut-être payé 13 dirhams et ça, 15 dirhams. C'est peut-être ça, je ne me souviens plus du tout des prix. J'ai pris un gommage au café. Et on prend soin de soi. Toujours, toujours, on s'oublie pas. Ça, elle sent super bon. Sérum d'encens. Je sais pas si on voit bien la caméra. L'odeur, pareil, est juste magnifique. Donc c'est un sérum pour visage et corps. Donc ça c'est 20 dirhams le sérum. Et c'est combien? C'est 50 millilitres. Je me suis pris ce petit coffret, en fait, soin à l'argan. Donc, soin nourrissant argan à l'huile d'argan extra vierge. Donc, gressol blanc à l'argan. Ça, c'est quoi ça? L'huile, ça, c'est zétargan. Il y a un labello à l'argan et un savon. Un savon, donc le petit lot comme ça, je trouve que c'est super joli quand on veut faire un cadeau. Et ça, je l'ai payé 70 dirhams. Donc, franchement, 6 euros, c'est pas cher du tout. Donc, je m'en suis pris deux. J'ai pris celui-là. Et celui-là, c'est le même. Et ça, il s'est ouvert pendant le voyage. Bon, attendez, attention, vu qu'il est ouvert, je vais vous le montrer. Vous allez le voir. Donc là, si on le voit, c'est le savon. Celui-là, c'est le savon à l'huile d'argan. Le petit labello. C'est un labello ou un rouge à lèvres? Non, protecteur. Ouais, soin et protection des lèvres. Je sais pas s'il fait cette couleur, en fait. Attends. Ouais, il a un petit peu, on ne le voit pas à la caméra, mais il y a un petit peu ce côté rosé. J'avais même pas fait attention qu'il était rosé, j'aime beaucoup. Oh, elle est trop mignonne la petite bouteille. Regardez. Donc là, Zetalgan bio. Soin multifonction, huile multi-usage, visage, corps et cheveux. Donc c'est une petite bouteille de 40 millilitres. Donc ça, c'est quoi? Soin nourrissant à l'argan, à l'huile d'argan. Et soin raffermissant sans parabène à l'huile d'argan extra vierge. Donc voilà. À quoi? En fait, j'ai pas acheté énormément de choses, mais ce que j'ai pris, c'était lourd. Le lustre était lourd. En fait, les pièces qui allaient avec le lustre étaient lourdes. Donc, ça me prenait énormément de poids. Les épices, pareil, c'était super lourd. Et qu'est-ce que je n'ai pas pu ramener? En fait, j'avais acheté. Ah, mais si! Avant de vous dire ce que j'avais pas pu ramener, j'ai ramené aussi le kaklouj-dé. Je vous le montre ce que c'est? Attendez, j'arrive. Hey, on revient pas d'Oujda sans ramener le kaikoujdi. Donc là, j'en avais ramené pour ma belle-mère. Donc j'ai ramené 1 kilo pour ma belle-mère et j'en ai laissé un petit peu pour les enfants et pour mon mari. C'est juste. Ça, c'est une spécialité d'Oujda, donc le cake. Et je vais vous montrer un qui est cassé. Donc en fait, c'est un gâteau sec. Et sinon, vous avez aussi la version briochée. Mais moi, vraiment, je préfère cette version-là croquante. Franchement, trop bon. Trop bon. Je vais le poser là pour ne pas le casser. Donc pour le kalkoujdi, j'ai payé ça 25 dirhams le kilo, donc soit à peu près 2,50 euros. Donc quand vous allez à Oujda, quasiment tout le monde les vend à 20 dirhams le kilo. Mais j'ai préféré aller dans cette boulangerie parce qu'ils sont juste trop bons. Donc la boulangerie se situe en fait au début de la route Marrakech. Donc c'est la première boulangerie. En fait, quand vous rentrez... Tout au début, c'est la première boulangerie et vous trouvez de tout et c'est vraiment super bon. Ah oui, qu'est-ce que je n'ai pas pu ramener avec moi? Tout simplement, j'avais pris 4 tagines. Donc, pas les tagines avec les couvercles, en fait, c'est des tagines juste avec la poignée comme ça, des tagines en terre cuite. J'avais acheté un grand, on va dire, pour 4 personnes et j'avais acheté 3 individuels parce que j'en ai déjà un individuel. D'ailleurs, je ne sais pas où il est, sinon je vous aurais montré, j'en ai déjà un à la maison et j'étais dégoûtée, j'ai pas pu les prendre, c'était... Trop lourd, ça prenait trop de place. Et le petit tagine, donc le tout petit, comme ça en terre cuite, donc sans le couvert, comme je vous ai dit, c'est 15 dirhams. Et le plus grand, c'est 20 dirhams. Donc là, j'hésite. J'ai ma mère qui est au Maroc, j'ai ma soeur qui est partie juste après moi.
Donc, si elles sont gentilles, si vous voyez cette vidéo, si vous pouvez partager en deux, une elle met deux tagines dans sa valise, à chaque fois que tu mets chez dans la valise à Mohamed, il a le droit, je crois, 10 kilos. Tu lui mets dès que la tagine d'y aller, maman, toi, tu mets la tagine, et à chaque fois que le tagine, et comme ça, vous pourrez me les ramener. Donc là, c'est les quatre tagines que j'ai achetées que j'ai pas pu ramener. Et qu'est-ce que j'ai pas pu ramener aussi? Le tissu. Donc, comme je vous ai dit, pour le salon marocain à l'étage. Donc, c'est pas un salon marocain. Vous l'avez vu, en fait, c'est vraiment un salon, on veut dire, au sol. Et j'ai refait le tissu. Donc, normalement, il prépare en une semaine, vraiment quelques jours, une semaine. Mais là, il avait énormément de commandes. Donc, il n'a pas pu me le préparer à temps. Donc, je vais l'envoyer via Bon un bah je transporteur. crois que j'ai fini, hein. Je vais arrêter de parler parce que sinon cette vidéo va être encore super longue. Donc j'ai essayé de vous donner un maximum d'informations, de vous montrer où est-ce que j'ai acheté chaque chose, de vous donner les tarifs. Ah, le tarif que j'ai oublié. Donc ne me dis pas en commentaire combien t'as payé le lustre. Si t'as pas regardé jusqu'au bout, je te dirai pas. Faut regarder les vidéos jusqu'au bout parce que des fois en fait je donne plein d'infos. Des fois en fait je donne les infos oralement, je les écris et en commentaire on me demande. Où est-ce que tu as acheté ça? Où est-ce que ça se trouve? Des fois, je suis comme ça. Mais pourquoi? Pourquoi? J'ai mis toutes les infos, je passe des heures à faire mes vidéos. Donc là, pour le lustre, j'ai oublié de vous donner le prix en début de vidéo. Je l'ai payé 900 dirhams, soit 90 euros. Donc voilà, je pense que je vous ai donné toutes les infos. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à très vite pour de nouvelles vidéos. Prenez soin de vous. Et à quand? Et à quand, celles qui me connaissent? À quand? À dimanche. Allez, prenez soin de vous.